pe e grâce na basantu nyonso bakoyeba na olanda biso na nzela liteya oyo nkolo yesu kristo apambola moko na moko par la grâce de dieu tozokoba na liteya na biso sur le discours de dieu à job tokomaki précisément na autriche tosi totalisaki autriche na baspe ebele par la grâce de dieu lelo tokoki tosimba lese de l'autriche tokosimba yango na bapartie mibale mais lelo tozala kopesa lokola première partie tozobena lese de l'autriche tootalisa première partie na yango lelo alors par la grâce de dieu deuxième partie tokoyebana kotalisa yango nsima ke le seigneur jésus christ soit loué yambo akobanda tobondeli seigneur jésus christ topesio merci pour ce temps tu es le maître des temps des circonstances nous te recommandons ce temps yo ndozala enseignant liteya koteyama epesa lokumu na nkombo na yo efortifie epesa makasi na oyo alembaki plan projet ya molili todeklare yango nile sans effet au nom de jésus marche avec nous na nkombo na yesu amen job chapitre 39 verset 17 à 21 job chapitre 39 verset 17 à 21 mais l'autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière elle oublie que le pied peut les écraser qu'une bête de champ peut les fouler elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement car Dieu lui a refusé la sagesse il ne lui a pas donné l'intelligence à partage quand elle s'élève et prend sa course elle se rit du cheval et de son cavalier que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture gloire à Dieu tout ça la lecture aussi tu expliquer que autriche na ba couleur rebelle moya kozonga susu sima par rapport ya oyo tolobaki ezate pona ndeko kokuta biso kaka na audio oyo soko zongi na sima okomona ba audio mosusu tolobelaki sur autriche ezali kuna ekosunga yo mpona kozwa ba définition makambo mosusu tolobelaki awa nzambe azosola na job moto azasufrir eza job moto aza na mpasi ezala job nzambe aza na mpasi te nzambe azasufrir te mai moto azosufrir eza job sikoyo nzambe azotuna job motuna akomi kota autriche abi autriche akamataka maki na ye atiki yango na kati ya poussière achauffe yango na kati ya poussière ntango achauffe yango na kati ya poussière azobanga kutu te ke lokolo moko ekoki koya koniata maki wana bible ezolobake ntango triche atelemaka asekaka cheval na cavalier ne cela veut dire azalaka na mbangu koleka cheval azalaka mpe na mbangu koleka cavalier cavalier eza moto amati likolo ya mpunda voilà makambo oyo tokoyeba na kolobela par la grâce de dieu tozosimba yango na quelque aspect mai tokosilisa nyonso te mpo tobi oyo eza première partie na deuxième partie nde tokoza kosimba bamakambo mosusu oyo ekotikala ntango nzambe azoloba awa autriche awa eza nano ye moko nzambe awa ntango nzambe aloba na job avant tokenda baspe mosusu tolobi nano awa ntango nzambe azosola na job autriche eza na nzambe ye moko parce que autriche oyo azotika maki na kati ya poussière eza autriche ya mobali te mais autriche oyo atika maki na kati ya poussière eza nzambe ye moko donc c'est pour dire que autriche ya mwasi tozondima ke nzambe na biso azalaka mobali nzambe na biso azalaka mpe mwasi mais autriche oyo bazolobela awa eza ya mwasi yango ntango tokende na ésaïe chapitre 45 verset 9 à 10 ekomami boye malheur à qui conteste avec son créateur vase parmi des vases de terre l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné que fais-tu et ton œuvre il n'a point de main verset 10 malheur à qui dit à son père pourquoi m'as-tu engendré et à sa mère pourquoi m'as-tu enfanté donc na verset 9 awa nzambe azotalisa azoloba mawa na moto aza kokonteste contre le créateur
abimisi mutroko la vase de terre yemo créateur mais na verset 10 ezaka eloko moko mais alobelo nguso na lolenge mususu alobi ma wana mutozo ko se contester na papa na ye na mama na ye donc c'est pour dire que nzambe comme créateur azalaka papa nzambe comme créateur azalaka pe mama yango to nimo rappeler que création le lobelo mususu azalaka mwana ya nzambe pe uta na kata nzambe poto ndima ke na éternité nzambe pe lokola mama azalaka na zemi zemi nzambe azalaka nango c'était la création azalaka na kati na ye mais il s'engage qui a manifesté yango zomona yango to bi ke tant to mona nzambe lokola mama to mona pe lokola mokeli voilà mais ato zomona tango azo yebisa Job mutuna Autriche akamata kabana makina ye atiki yango na kata poussière Job ndaye bagite parce que à ce temps-là le ministère de la parole pesa makina nute soki ezalaki lelo tonga to répondre mutuna mena tango na Job ayebakite Autriche nzambe azolobela wana eza na ye moko maki azolobela tiki na kata poussière azo faire chauffer na kata poussière ezalaki Job maki wana oyo azolobaki Autriche akamataka maki na ye atiki yango na kata poussière a chauffer na kata poussière aobanga teke lokolo ekoki koniata maki wana hein eh, donc maki wana ezalaka na Job na place ona awa na Job 39:17-21 Autriche ezala nzambe ye moko maki wana ezala Job poussière o nzambe ebaki na kolivre Job afin qu'a chauffé c'est l'ennemi c'est pour dire que nzambe ebaki na kolivre Job entre les mains de l'ennemi afin que ennemi ayeba na ko faire souffrir Job donc nzambe a permettre qui et le kandengwana mais gloire à Dieu bible zotal sakabiki tangu cheval tangu Autriche a telemaka ayeba na kuseka ozali cheval na cavalier naye et loko wala tangu azo ebisa Job Job nda comprendre akite angaye ebisa Job tout simplement Job Autriche a ozangaye maki eza you na minute on a tiki on a kata poussière poussière on a tiki na maboko na ngo ya Satan na faire chauffer yo ba souffrance zo mona on ngani na tiki on a Satan a salo akani ko sala wana mais tango azolo bake tango atele maka aseka kasad aseka ka cheval a le kakae na vitesse al ngai sera Job tout simplement que moi l'éternel je me lèverai dans ta vie na aussi kola yo na kokangola yo mais Job lokola le ministère de la parole na tango ne pesa maka na noté moyen Job ayeba na comprendre makambo wana et zalaki te mais soto so comprendre ango lelo c'est grâce ya Molimo Santu oyaki mokolo ya Pentecôte amemi grâce ministérielle na kati ya Ecclesia nde na nzela na yango nde toza ko comprendre makambo gloire à Dieu Job oyo azalaka pe image ya Israël Job azalaka pe image ya Israël o nzambe ayebaki na kotika na kata poussière poussière na kata bible ezalaka pe na ba signification ebele poussière na kata bible et là ça rappelle les nations Ésaïe chapitre 40 verset 15 Ésaïe chapitre 40 verset 15 comment mi boye voici les nations sont comme une goutte d'un seau elles sont comme de la poussière sur une balance voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Ah ouais, c'est clair. Bible autant ça que ba nation baza la rapé loko la poussière. Yango tozo lo baké Job o yaza maki ya Autriche azala rapé image ya Israël. O ndambe a livra ki na maboko ya na poussière. Atozo poussière loko la l'Égypte. Mon Égypte hein? Tous ont comme une nation le rôle la poussière au nzambe moka kamata ki makina e ou ta peuple na Israël a livré on a Israël na Égypte maintenant bi le zolo baki a chauffa kamakina e na kati ya poussière wana ce que c'est pour dire que poussière za na moto hein za na moto mo chaleur mo na kati wazo chauffer la maki moto wana nde e otalisa ba souffrance au Israël ayeba ki na ko bikela na Égypte c'est pour dire que ba souffrance so mona Israël zo bikela na kat Égypte wana kina wana volonté nzambe moko ba souffrance nyonso Israël zo bikela na kat Égypte ezala ki volonté nzambe moko cela veut dire awa nzambe
abimi penza otrisha tiki peuple na ye na kati ya la poussière parce que bosa na teke Égypte ndenga za la wana ezala ka pe fournaise de fer par rapport à Deutéronome chapitre 4 verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a appris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient à propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, dans la poussière, c'est le Isaïe 45 dans les nations. À total, sa poussière locale, l'Égypte. Mais quand il y a poussière dans le monde, moto. Au total, ça les souffrances. Au Israël, qui est dans le monde, l'Égypte. Qui avait permis ça? Nzambe. A permettre qui et les Kandengwan parce que l'Égypte nous a rappelé fournaise de fer au Nzamba permettre qui et les Kandengwan. Mais Bible zolo baké autriche tango tika abongo Nzamba zoe bisa jobe autriche tango tika abongo abanga kate ke lokolo moko ekoki koleka wana po e bara onyata bango enyata postérité na e na bande l'écriture. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la terre. Chauffer wana et sa souffrance. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Azobo sanake, makolo, et koki kounia tabango, qui une bête de champ peut les fouler. Donc, expliquer l'okolo au bien, na bête de champ au bien, tant au côté na deuxième partie. Mais les lotos en haut à passant. Tozo banano que l'okolo au yoba l'obelawa et sa la kafaraon. To aba l'obelibiso l'okolo, ba l'obelibiso bête de champ. Et puis, Bautel Sabiso, le cheval et son cavalier. Le cheval et son cavalier. Tant que le lokolo, tu dis le lokolo, oyo, azobo sanake le lokolo, et koki konyata maki, wana posugi le lokolo, nyati maki, za po ekraze makit. Eko pardonne makite, le lokolo, et za pharaon. Donc, expliquez ou bien tant que tu kokota la deuxième partie. Bête de champ, et za pekara pharaon. Pourquoi tu benga pharaon bête de champ? Tous les bengues bêtes de chat tout simplement par rapport à Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, versets 1 à 2. La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau. Na ba traduction, à un jeune lion. Hein? Tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Na aussi mbana makamba crocodile te, mais na aussi mbana nous bête de champ. Tant au monde a bête de champ ni amazamba wa, tant au monde a lion. Parce que lion a zani amazamba na zamba. C'est pour dire que Pharaon a laki lion. Donc, nous avons pensé à libérer les maquinaïs, dans ma boucle d'Égyptiens. Alors, il y a des gens qui ont c'est trop grave, ils savaient, ils connaissaient. À livrer, bon, dans ma boucle Pharaon, comme bête de champ, à livrer, pendant le peuple naïs, dans ma boucle Pharaon, en fait que Pharaon a fait souffrir le peuple naïs. Quand vous avez ce que vous avez Bible, vous avez dit que vous avez dit que cheval na cavalier naïs. Wana yé moko nzambe mutazolo ba. Hein? Bible zotali ça. Na verset 21. Car elle se lève et prend sa course. Elle se rit du cheval et de son cavalier. C'est quoi cheval en wazanani? Tolobi cheval à Pharaon. Tu raisonnais te, hein? Par rapport à Exode chapitre 15, verset 1. Exode chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Cheval au bas, cavalier dans mon temps, cheval. Cavalier au bas, le baiser Pharaon. Hein? Cavalier au bas, le baiser Pharaon. C'est pour dire que tant que tu m'as dit Pharaon, à quoi il n'a qu'à ta maille, il n'a pas soudanaï, ba koufi. Ndesko Israël bazo yemba Israël bazo bakè bazo pesa nzambe merci o ya ebi na ko renverser cavalier na cheval nae awa cavalier c'est pharaon cheval la pharaon tel sa armée égyptienne ba kufa kina elongo cheval la pharaon tel sa la puissance ya pharaon la puissance égyptienne a elite nae o ba kufa kina bango na kacha mai. C'est pour dire que nzambe a livré ki penda peuple nae na boko ya pharaon yemo ko nzambe
soko tuni Israël asa lisumu ni na sa lisumu te nzambe na livrer bango bongo po makamu soko na sona kata visa aka lisumu te makamu su nzamba permettre ka bongo selo sa souveraineté za aka lisumu te apna nzambe bongo na livrer peuple na ye a livrer penda Israël bongo ta Israël asa lisumu ni na ye bongo a livrer ndengwan a livrer na bongo ya pharaon pharaon za lion ye ona bête géchant pharaon za pied to ko expliquer on a deuxième partie pharaon aza cheval aza cavalier. Il y a un cheval né à livrer bon. Mais Bible zo lo ba ke tant wa livrer bon tant wa tele maga. Ba ba za mbangu. Ko le ka cheval. Halegi cheval na mbangu. Halegi cavalier na mbangu. Ah, cela veut dire pharaon na puissance égyptienne. Nzambe tant wa tele maga a leki bango na rapidité. Or pharaon tant wazo ko s'avancer vers Israël et apo ça la Israël mabé. Mais tant nzamba tant ko avancer vers pharaon c'est pour délivrer Israël. C'est pour dire que le secours de Dieu est plus rapide que la colère de l'ennemi. Secours nzambe za la ka plus rapide que l'ennemi. Hein? Donc mon suka suka nzamba ko telema a ko frapper pharaon na kata mai, a ko frapper armée égyptienne na kata mai, a ko kangola ezali Israël. Israël bakozoa délivrance. Israël bakosanini bakokangolama. Tozolo bakye cheval oazo leka. Cheval oazo leka. Ah, otshazo leka cheval nambangu ezala rapé David. Pourquoi to lobi bongo? 1 Samuel chapitre 17 verset 1, to sauter de lui verset 48. 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Ephes d'Amim, toujours verset 48. Toujours verset 48. La Bible dit: aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Ah, tout le monde, Soko eza mabele o ezaki ya Juda. Mais tomoni Goliath avandi likola mabele wana. Cela veut dire nzamba permettre Goliath avandi likola mabele wana. Mais mabele wana eza ya yete. Eza mabele ya Juda. Or territoire wana ya Juda nzamba pesaki yango pa Israël. Eza ba promesse wa pesaki pa papa na bango Abraham, Isaac, Jacob. Eza mabele ya Juda. Mais tomoni nzamba permettre que Goliath avandi likola ya mabele ya Juda o eza ya yete mais avandi wana. Donc nzamba livrer mabele wana na boko ya Goliath tant tozo mona Juda selon Genèse 49 Juda za la lion Juda za la roi hein mais tozo mona mabele ya roi na maboko ya munguna tozo ye bake roi ya solo ezaka na nzambe moko roi ya solo ezaka nzambe moko Psaume chapitre 47 verset 8 Psaume 47 verset 8 il est écrit: car Dieu est le roi, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Psaume chapitre 95, verset 3. Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand roi, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, ma belle Oya Juda, c'est tout un peuple. Oyo Bazalaki, il y a Nzambe, pour Nzambe, un véritable roi. Mais Nzamba permet à qui que ma belle est entre les mains ya Goliath. Ah, tous ont opéré le peuple et Nzamba le Adam après avoir péché. Nzamba livra qui l'humanité tout entière entre les mains de Goliath. Goliath non bah c'est le diable, c'est l'ennemi. Ils ont cette alliance. Oh Nzamba maintenant attaque qui peuple naé na sa domination à Satan na cette alliance. Satan a dominé. Ah ce que tu vois les pieds c'est Satan. Bête des champs, c'est Satan. Cheval cavalier, c'est Satan. Je crois que tu as une deuxième partie. Tu as besoin d'expliquer et là, on est là, on pense que tu as un détail pour expliquer le colo. Tu as expliqué le bête des champs. Tu as expliqué cavalier. Na cheval. Tant que tu as une deuxième partie, tu as détaillé pour expliquer le colo. Mais tu as dit que tu as mabele oya soko. Le col a tout un peuple, on zamba livra qui na sen alliance entre les mains de l'ennemi, oza Goliath. Nzamba tika kibongo. Mais remarquez David, tangwazo ya qui était David?
David a dit la tribu à Juda, c'est pour dire que c'est tout un roi. Oya ya qui pour nous récupérer ma belle naé, oyo Goliath a vendu la qui. Donc a tiki na Goliath a régné, mais on a tamoko oya zoya me remarqué, a zoya mbangu na champ de bataille. David a zo kita mbangu na champ de bataille. Mbangu a David na champ de bataille, c'est ça le cheval autant wa telemaka, azaka na vitesse koleka. L'Autriche tant wa telemaka azaka na vitesse koleka nan. Koleka cheval et koleka cavalier. Na cheval, donc ça laisse court. Tant que mon David a zo qui m'amba en Autriche, zo qui m'amba en oiseau les cacheval, et tant que ça les seigneurs, oya ya qui pour nous sauver, oya ya qui na esengonion, so y a zala qui disposé pour nous sauver, oya qui pour abiki sabiso. Ako qui m'amba en ou pour akoué sa Goliath, enfin que ma belle naïe, et ben aussi kolama. Loko yo, au moment na yango pe, yé suna baye koli. Yesu na baye koli, Yesu alali pongi, mbonge telemi. Yesu sala nyo soko yako sala wana. Baye koli ba telemi, ba meki ba maitrize mbonge, ba kokite. Me kan le seigneur a telemaki, apameli mbonge, kimi ya kota ki. Tosa baye koli yo zakape l'humanite, mbonge wana se touten enemi, wa maltrate ki peple na sen alliance. Me tan mouni baye koli ba wa mekabacha kimi ya ba wa kokate, tasa ka l'humanite na sen alliance ba lukaka kimi ya nan zela ba sacrifice par leurs propres efforts ba kokate. Mais Yesu azo telema wana, c'est ça l'arrivée de Jésus, c'est ça David azo ki manachan de bataille, c'est ça l'Autriche qui s'élève. Tant wa telema ka, a se kaka cheval na cavalier na, a se kaka cheval na cavalier na, c'est ça l'œuvre de la croix. Quand le Seigneur a télémaki, ils allaient qu'il pouvait repérer sa biseau pour PMI, pour repérer sa biseau repos. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Par la grâce de Dieu, on continue deuxième partie. Mais toko qui tape pour nous parler de ça, Job ou Anna, a parlé de ce peuple en Zambé. Natangwa, ils allaient qu'il Job, mais le loué est à Yo et Zangai. À des fois, Zambala, tu as la forme autriche. Ce qui nous a dit, forme triche, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit forme triche. Cela veut dire il arrive des fois Nzamba ko la taper le lingo triche na kata via mwana Nzambe ba souffrance telemi ba complication telemi koufa même ko kibe ko kota. Tu te poses la question pour tout moni ba na Job ba koufa hein a koufa la ba na 7 ya mibale na ba na misatu ya basi a perdre tout waza la kana yango ezali kambo e salamat ezali kambo e salama abda Nzamba la ti forme au triche ayoka ni na satana atindi satana. Donc Nzambe penda yokani na satana atindi satana yango mwana Nzambe a tout moment bitumbe koko ya tomoni ba lien tomoni ba démon oui tomoni penda démon so tourmenté mutu tomoni penda ba lien kangi mutu metant to ko matana sommet to ebi ke Nzambe na sama kamnyoso parce que ici Job était combattu par Satan mais quand Job parler Job en mon Satan a été Job bande comme mon Nzambe qui était au-dessus de tout. C'est pour dire que dans la vie Nzambe ko permettre que makambo makase ko melayo mais ko lobate que Nzambe tikinga epo nani ko lobate que est-ce que Nzambe ebingai te ko lobabongo te ko lobelo ko nakata munokono te quelles que soient les difficultés Nzambe tika moyenge benite. Vous voyez ezana mutu musa ko loba penda est-ce que Nzambe ebingai Dieu te connaît. Hein? À cause de la difficulté de traverser, du bal et koufi, moi na koufi, moussa le koufi, voyage compliqué, santé compliquée, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu me connaît? Nzamba yebio. Nzamba yebio. Moi, je me suis dit que je suis est-ce que Nzamba yebio? Est-ce que prière n'a pas de Nzamba yebio? Dieu te connaît. Quand Satan maltraitait Job et tout ce qu'il faisait, Nzamba, Azala qui n'a Job, Tika qui Job était, Azala qui n'a Job. Ce qui Nzamba dit que c'est fini pour toi. Ce qui Nzamba bosani c'est fini. Dieu ne t'a pas oublié. Nzamba est bio. Yango tomo na mukanda Esaïe, chapitre 49, verset 14 à 15. Esaïe 49, 14 à 15. Nzamba azo la boue. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Awa Nzamba azolo ba Sion ba ndako loba atalama na Sion c'est Israël. Azolo ba ke Nzamba tikingai Nzamba bosa dingai verset 15. Une femme oublie telle l'enfant qu'elle allait Nzamba otuna mutuna. Mama ya boti mwana wa Melissa mwana eska kuko bosa na mwana wa zo Melissa.
n'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Ah, on zamba zolo ba. Akoyo ke la témoin nawe aboti mawa. Même quand il souffrait, la miséricorde de Dieu za likolo na. Pour ceux qui ngolo ya nzambe za te kokufa. Sans la grâce de Dieu okwa ko traverser mes prévos les kawana te daer. Oza ngambongo wa Minerval. Tamsumbo wa olia ndako za te. Mbongo wa futa ndako za te ba bimission na ndako. Mais si tu gardes la foi, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Ce qui m'a wanzambe le colonne zala kite mbeloso wangana Yesu kala. Ce qui m'a wanzambe zala kite le colonne mbeloso simba ki sikala. Mais aussi simba ki c'était pourquoi? Et c'est la makasi nayo, c'est la makasi noté. Hein? Malgré les difficultés que tu traverses, mais utikali kana kata makamu wanzambe zala ngona ba fort na yote, mutabanga wanzambe na makasi na yazati. Et ana be fort na yote, et zala makasi na yote. Quelles que soient les difficultés, fidélité tout tika na ngowana. Les amawayans a mené au salakot de la fidèle envers Yenzambi. A continuer à lobby, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Yoka sirans nzamba pe sabiso. Abiso ki mama, ou ya botala mama nenga botaka moi na nenga zalaka alinga ka moi na nae. Mais abike soki mama ko bo ya moi na nae ngai na kotika la robo sa note. Assurance, c'est pour te dire aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, nzamba tikiote. Quelles que soient les difficultés, abandonnez-vous. Alors, Baki, je ne vous laisserai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. A Tikiote. Attendez-vous la Lanzalawana, Azanayo. Attendez-vous la Bilambako Latawana, Azanayo. Attendez-vous la Bongo Futandaku, Azanayo. Attendez-vous la Bongo Futa Minerval, Azanayo. Attendez-vous la maladie de Nyokolayo, Azanayo. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Nzamba Azanayo. A tikiyote pour ce cas mais que tiko ka muke c'est fini diable a criblé on est ngalingi vous voyez toi maintenant quelques degrés toi maintenant quelques degrés ah toi zondi maboye nzambe a tika kape peuple ba le kita mo na difficulté mais souka nzambe ko ya a aussi ko la bango awa za mama mutazolo ba pour tricher ta maman, et ta maman m'a zoloba. Ton di maran zambaz à la tata, ton di maran zambaz à la rapé, maman. Ah, mettant un zambaz aura formé à maman, tala le kambo et le kaka. Tozui like, chapitre 13, verset 34. Lik 13, verset 34. Tant un zambaz aura formé à maman. Yoka, Jérusalem, Jérusalem. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? C'est pour dire que maman n'a sangisaka. Tundi marake, nzambe. Ils ont attendu qu'on a signé sa panzara libota nae. Kabola rappelé par la loi. Nzambe yemo kwa panzara rappelé. Mais c'est là qu'on a formé à maman pour yako sangisa biso. Tony m'a qui formé à maman, c'était à la croix de Golgotha, ndazo qui formé à maman afin de nous rassembler ndasa ngisi biso. Tant nous avons formé à maman, tout ça qui maman loko la créateur, on les appelle aspect. Mais aspect mususu tant nous avons formé à maman, ils appellent tant ya ngolu. Hein pour nous rassembler, c'est là vibara ba panzana kiti. Mais azoya pour nous rassembler, tout bakina sena lien sous la qui dispersé. Mobeko e panzaka, mais akola ta formé pe à maman. Pour à rassembler biso. Mais après avoir rassemblé biso, a zongi na likola tiki biso na mabele. Omoni, ils ont payé une façon à Autriche, à tiki biso na mabele. Na ba difficulté au passé le lobo e. Aza wana, a mona, a tiki biso. Tozo traverser ba temps difficile. Ata le lobo soko zangi mbongo. Osambeli, nzamba pesi yo mbongo. Pour côté les masuka suka quelles que soient les difficultés à côté les magaka aux arakimbon à pesionbon malade ouya au bondeli addiction à malade problème sous ce ya au bondeli abikisio na owana problème sous ce ya mais comme tungisate nous savons un jour l'Autriche se levera côté les mawana ils appellent un enlèvement de l'église tant qu'à côté les maga à roya kozwa biso à longo la biso na mokili. Tokende sika zali tokuvanda libela naye kuna passe kozalate de l'estage ya courer kozalate kufuta la bana Minerva na classe kozalate kufuta ndako kozalate kubeta mutuma kamba olie kozalate tokozala ensemble naye mais aujourd'hui tozapela kola maki o yenza mbio trish atiki na mabele
chaleur ou une persécution à cause de l'évangile. Et il y a pas de tout le monde à cause de l'évangile. Mais on dit que le son de la trompette, l'Autriche se lèvera pour nous récupérer. En fait, que tout le monde ensemble et longo, naïe, naïe, sengo. Alors, on pense à moi, je suis un elongo, kuna kolela et cause à la tekele, Seigneur nous bénisse. Ou en attendant la première partie, prochainement, tu aussi la deuxième partie. Que le Seigneur nous bénisse. Le numéro de M. Zali, plus 243-84-22-64-114. Plus 243-99-88-77-333. Paix et grâce en Christ. Tu coûtes prochainement.